La Star Academy fête ses 20 ans cette année. Une émission qui a marqué des générations entières et qui a fait émerger de nombreuses célébrités. Comme Johnny Fay, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé ou encore Jean-Pascal Lacoste et le regretté Grégory Lemarchal. Le programme phare de TF1 a également permis aux Français de découvrir son animateur. Nikos Aliaga, qui est devenu par la suite l'un des animateurs les plus célèbres de France. Et pour cause, le programme est devenu l'un des rendez-vous les plus appréciés par les téléspectateurs. Les primes réunissaient alors de grands artistes, comme Beyoncé, Céline Dion, Johnny Hallyday ou encore Madonna, une chanteuse qui a d'ailleurs marqué les esprits. Tant sa venue a été chaotique et traumatisante pour les équipes. En mai dernier, Nathalie André, l'une des directrices de la troupe, s'était confiée à ce sujet. Kamel Ouali avait préparé une chorégraphie où dans les mains des danseuses il y avait des pigments de peinture. Les danseuses ont jeté les pigments de peinture et tout est tombé sur le plateau. On avait dit à Madonna, ne vous inquiétez pas, dans 2 minutes tout sera nettoyé. Elle nous a regardé et nous a dit, dans 2 minutes, je serai déjà chez moi. Et elle est partie. Un souvenir qui hante encore les membres de la Star Academy qui se sont rappelés de la venue de l'artiste américaine. Dans le reportage consacré à l'émission et diffusé ce mercredi 1er septembre sur TMC, Madonna, c'est un souvenir très particulier, commence par résumer Alexia Laroche-Joubert. Déjà, elle a toute une équipe qui arrive, bien avant qu'elle arrive, elle. Par exemple, il compte les pas entre sa loge et le plateau, donc il faut lui donner la loge la plus proche du plateau. Après, les gens sont terrorisés par elle, donc personne n'osait lui parler. Un climat de terreur confirmé une nouvelle fois par Nathalie André, je pense que ça a été le jour le plus compliqué de ma carrière professionnelle. Et chez les jeunes candidats aussi, la pression était bel et bien présente. Pascal, participant de la saison 5, se rappelle de l'atmosphère irrespirable, il y a un silence religieux. Personne qui moufte. On avait quand même eu la consigne qu'on ne devait, en gros, pas la regarder dans les yeux, on ne devait pas lui parler, pas l'approcher. Se rappelle Jérémy. Une venue qui aura tendu les nerfs de tout le monde.